Yo la striper. Bon, comme vous le voyez, euh, mon apprentissage du code, j'ai eu totalement la flemme parce que regardez, je vous montre. Hein. arrives, tu fais ça, ça te met une vidéo avant ça, et après il faut que tu regardes une vidéo là, trois vidéos là, une vidéo là, quatre vidéos là, deux vidéos là, deux vidéos là. Qu Quand t'as fini ça, faut que tu fasses celui-là, faut que tu fasses celui-là, faut que tu fasses celui-là, <laughs> celui celui-là, celui-là, celui-là. Celui celui <laughs> je fais une toi. <laughs> bon, allez, hop, je coupe ça. On va lancer une petite session. Mon regard okay. se porte vers l'intérieur des véhicules stationnés. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Ah. Euh, on va dire oui, parce qu'il peut y avoir quelqu'un qui recule. On est assez loin, de toute façon. Okay. La signalisation annonce un passage à niveau avec barrière à 100 mètres. Oh, oui. Putain. Réponse A. Non. Réponse B. Euh, Je sais pas si c'est à 100 mètres. Non, c'est pas à 100 mètres, hein. Oh merde. Je vais dire non. Sur le lieu d'un accident je dois soigner le blessé. <laughs> je suis pas réponse docteur frère. A. Prévenir les secours. Prévenir les secours. Réponse baliser l'accident. B. Comment ça baliser l'accident Baliser l'accident. Réponse C. Euh. Ok. On va dire baliser. Hein. Ça doit être euh, genre, Conduire avec un taux d'alcoolémie de 0,6 g par litre de sang entraîne un retrait de 3 points sur le permis de conduire. <laughs> Rien frère, réponse je bois pas Réponse... Qu'est-ce que j'en ai à foutre Ça m'aide en quoi À savoir combien de points je perdrais On va dire quoi On va dire oui. La pression des pneumatiques doit être vérifiée si possible sur des pneus froids. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. La profondeur des sculptures ne doit pas être inférieure à 1 mm 6. Réponse C. Allez, au oh pif. 1 mm. Oui. Réponse Et B. 1 mm. Ta mère, dans le cette mécanicien. situation, le danger principal se trouve dans la zone 1, réponse A, 2, réponse B, 3, réponse danger C, principal. 4, y réponse D. Mais il n'y a pas de danger. Frère. Mais a pas de danger hein. Dans quelle zone se trouve le danger le plus important Zone 1, réponse A. Zone 2, réponse B, zone 3. Réponse C, c est une voiture qui zone est là, 4, réponse D. On va dire 1, parce qu'il peut passer à tout moment. Là, il y a, il y a un stop, normalement. Je conserve que... mon allure. Oui, réponse A. Non, réponse B. Non, dangereux, Je moteur. fais un écart à gauche. Oui, réponse C. Non, réponse D. Oh oh euh, franchement, je peux faire un écart normalement. Je regarde un peu derrière. Ce panneau peut mettre fin à une interdiction de dépasser. Réponse A. Une limitation de vitesse. Réponse B. Une interdiction de stationner. Réponse C. Il peut, mais... Euh... Dans cette situation, je dois klaxonner. Réponse klaxonner. A. Me déporter d'au moins un mètre. Réponse. B. Mettre Dans mon clignotant gauche. Réponse C. Ralentir. Réponse D. Okay. Agglomération, c'est un mètre retenu. C'est un mètre cinq hors agglomération. Il peut y avoir exclusion de certaines garanties du contrat d'assurance <laughs> si j'ai eu un accident en état d'ivresse. Ouais. Réponse A. Si je suis responsable ouais. de l'accident. Réponse B. Ouais. Si je circule avec un permis <laughs> suspendu. Réponse C. Aucune idée. D'après les enquêtes, l'erreur humaine la plus fréquente lors d'un accident concerne la perception de l'information, réponse A, l'analyse de la situation, réponse B, la prise de décision, réponse C, les actions sur les commandes, réponse D. Perception de l'information parce que genre, il boit, ou il y... je sais pas. Sur sais pas. une carte routière représentant la France, <laughs> Rennes se trouve vers le nord-ouest, réponse A. C Vers le sud-est, okay, réponse B. Ah, Vers le sud-ouest, sud réponse C. Ah non, il pas ouest. Okay, Vers bah, le nord-ouest. Réponse D. On est, vraiment, on est vraiment quand même sur le code. Le code de la route qui t'apprend la géographie. Wouh Ce bus est arrêté. Je surveille uniquement la zone A. Réponse A. Uniquement la zone B. Réponse b les zones a. Zone a et b réponse c ouais, juste la b, parce que' c est derrière et as un angle mort. Enfin, as, tu vois pas en cas d'alerte pollution la vitesse maximale indiquée sur les panneaux à message variable est une limitation de vitesse que je dois respecter réponse a un simple conseil de conduite ouais, écrit, Réduisez réponse votre b. vitesse c'est une obligation pour tourner à gauche je passe avant le piéton. Non. Oui. Réponse. Mais je peux écraser le pauvre papy. Non. Réponse. Même si j'ai sur une fin B. de vie. Le piéton commet une imprudence. Ah oui. oui. Réponse. Il y a pas de passage réponse. piéton, ce chien. Non. Réponse. Et il est vivant, on B. va le pardonner. Je cède le passage au véhicule de droite. Oui. Réponse. Ah Il a. y a pas de stop. Non. Réponse. B. Là, il y a un feu. Le problème, c'est que j'ai un feu, mais je vois pas de feu. Je vais mettre oui. Hein. Logiquement, il a un feu, mais je vois pas de feu. Euh, la distance de sécurité avec le véhicule devant moi est suffisante. Oh non, non, non. Je sais pas combien c'est, mais c'est sûr que non. Il n'y a pas deux secondes déjà. Avec un véhicule équipé d'un système ESP, oh putain, je peux connu. accélérer dans ce virage. Oui. Réponse A. Non. Réponse B c'est le truc pour mon glisser, je ne sais pas. Je peux accélérer dans un virage. Mais dans tous les cas, non, tu peux pas. Même si tu as des systèmes d'assistance, tu n'as pas le droit. La conduite économique ou éco-responsable permet plus de sécurité. Réponse A. Plus de confort. Réponse B. Moins de fatigue. Réponse C. Moins de vigilance. Réponse D. C'est rien, frère. À la fin de cette voie pour véhicule lent, je peux changer de fil pour permettre au camion de s'insérer. Réponse A. Dans tous les cas, je reste sur ma voie. Réponse B. Ouais, je vois pas derrière, mais je peux changer de fil pour le permettre au camion de s'insérer. Je suis un connard. Après, il a le CD de passage, donc normalement, dans tous les cas, je dois rester, mais je vais me faire baiser sur cette question, c'est sûr. Parce que je suis trop gentil. Je cède le passage au piéton. Non Oui. Il Réponse A. Non. a Réponse B. Je ralentis. Et je ralentis oui. parce qu'on sait jamais, si c'est connards. C. Non, réponse D. En plus, c'est des jeunes, ils regardent même pas à leur gauche, complètement con, ils regardent à leur droite alors que normalement tu regardes à gauche. Ils arrivent de gauche les voitures, tu regardes pas le bus. Seuls Connard. les médicaments comportant un triangle rouge sur l'emballage peuvent entraîner des altérations de la vigilance. Oui, regardé. réponse A. Non, réponse B. On va dire non, prudent n'est pas conduire. On va faire grâce à l'image. Hein. En l'absence d'antiblocage de roue, l'allongement de la distance de freinage peut être dû à un freinage trop faible Oui, réponse A. Non, réponse B. Ah ouais. Un freinage trop logique. puissant Oui, réponse C. Non, réponse D. Tu freines trop fort Je ne peux pas être plus long Pas logique. La signalisation annonce la proximité d'un péage Oui. Réponse non, A. Une fin non. Réponse B. J'arrive à une intersection. Oui. Ouais. Réponse C. Non. Réponse D. Alors sachez que sur les panneaux et tout, je... ça fait très longtemps. j'ai juste des connaissances de ce que euh, j'ai déjà vu dans ma vie, hein, donc je m'en souviens pas du tout. Hein. J'agis sur l'écran de mon aide à la navigation GPS à l'arrêt. Oui, oui. Réponse A. Non. Réponse B. Avec une acuité visuelle de 10 dixièmes, je lis un panneau de limitation de vitesse hors agglomération à environ <laughs> 150 mètres. Réponse A. 100 mètres. Réponse B. 50 mètres. Réponse C. Frère, on est scientifique, on est opticien maintenant. Voilà, je vais mettre 150 mètres. Connaissant mais... cette route, je dois serrer à droite. Réponse A. Faire un écart à gauche Réponse B. Je la connais Accélérer, pas. Accélérer Réponse C. Ralentir Réponse D. Serrer à droite et ralentir. Je, je... Vous me dites que je connais la route, mais je ne la connais pas, je n'habite pas ici. Vous êtes des menteurs. partage limite les coûts liés à la possession d'un véhicule. Quoi Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Je ne sais pas ce que c'est. Quoi le rapport avec le code, bande de chiens continuer. Il reste questions. Ok. okay. Euh, J'ai vu qu'il y avait un panneau avec des serfs, Donc, animaux sauvages. Il va y avoir un virage sur la gauche. Ok, virage sur la gauche. Je regarde la distance. On a une bonne distance. Le véhicule qui est, Le véhicule qui est devant moi circule moins vite Ouais, ça se voyait. Réponse A. Plus vite Réponse B. J'utilise mon clignotant gauche Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Pourquoi je devrais l'utiliser Je le dépasse pas. Ils disent pas qu'il veut passer. C'est quoi cette question Tu veux doubler Tu veux pas doubler Si oui, tu veux doubler, oui, clignotant. Si tu veux pas doubler, non, pas de clignotant. On, on va mettre ça. Je perçois okay. mieux les informations importantes autour de moi à 30 km heure. Réponse A. Bah oui. À 70 km heure. Logique, tu vas Réponse vite. B. Je dépasse le cycliste. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Il, chaud, il y a la voiture, un petit mouvement, un mauvais mouvement du cycliste. Quand on dépasse, bam, la voiture, on arrive dedans. Accident, tout le monde meurt. On va maintenant. Je fais le tour de mon véhicule avant un trajet pour vérifier l'état des, des pneumatiques. Réponse A. La présence d'un obstacle. Réponse du B. Le niveau du réservoir de ouais, Je pense qu'en tour, je peux le voir. Réponse C. Mmh, il me reste 3 litres 5 là. Je vais pas aller loin. A cette intersection, je suis prioritaire. Oui. oui. Réponse A. Stop. Non. Réponse mon pied B. Au du frein. Je mets mon pied au-dessus du frein. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Oh putain, ça c'est un truc de connard. J'ai envie de mettre oui mais en même temps... <laughs> Parce que ça peut être risqué. Non, mais ils mettent ralentir. Mais là, ils mettent le frein. Je n'ai ah, pas d'assurance couvrant les dommages causés aux autres usagers. Je risque une perte de points. Réponse A. Une amende de 3750 euros. Réponse B. L'annulation de mon permis de conduire. Réponse C. La confiscation de mon véhicule. Réponse D. Une amende Conduire en téléphonant avec un kit main libre est interdit. Oui, ah. réponse A. Non, réponse si interdit maintenant. B. Permet de rouler en sécurité. Ça, oui, mais... oui, réponse C. Non, hum. réponse D. Logiquement, non, parce que ça te. Je sais pas si c'est interdit aujourd'hui. Ben, logique, ça te nique quand même un bête oui, hein, mais euh... c'est le oui de l'époque. quoi. Je sais qu'à l'époque c'était autorisé, mais aujourd'hui, je sais pas du tout. Je pense pas en vrai. Lorsque je suis très vigilant, il n'y a pas de temps de réaction. Vrai, réponse A. Faux, réponse B. Il y a toujours un temps de réaction, c'est. Ça... T'as forcément un temps de réaction, t'es pas un robot, frère. Sur ce portique, on me signale une bifurcation d'autoroute, réponse A. Une sortie d'autoroute, réponse B. Une heure de repos, réponse C. Une heure de repos Non, il n'y en a pas. C'est une sortie. Et il y aurait une bifurcation, normalement. Hein merde, merde, merde. Oh putain. J'ai failli y répondre. J'ai pas fait gaffe. Ok, c'est des passages à 50 mètres, attention. Oh putain. Ok, tranquille, tranquille, je chill. Ok, je regarde à ma gauche. Il ne laisse pas passer. Oh, il ne laisse pas passer. Je m'insère maintenant. Je m'insère maintenant. Oui. Bah oui, je réponse peux, il me A. laisse passer. Non. Réponse Non. Réponse B. Ah oui. Je peux, il me laisse passer. Les voyants rouges annoncent une anomalie, réponse A, impose l'arrêt, réponse B, informe de l'utilisation d'une commande, réponse C. Je pense qu'il t'a imposé l'arrêt quand même. ta voiture va pas bien quand même. On a fait quasiment autant que le, modèle, le deuxième. C'est mon troisième. J'ai fait 16, 12. Tre... Euh, non, j'ai fait 19, 12, 13. Bon, vous en avez pensé quoi de, euh, de ce test euh, du code de la route euh, Vous avez kiffé le petit cours de géographie, de santé, euh, d'assurance euh... <laughs> Je suis devenu mécaniste, c'est pas mal. Bon, on va voir. En conduite automobile, le seul moyen de réduire son temps de. Merde. Le retrait est de 6 points bon, ben voilà, ça lors d'une infraction pas. pour alcoolémie. La limite à ne pas dépasser est de 0,5 g par litre de sang ou 0,25 mg par litre d'air expiré pour un conducteur expérimenté et de 0,2 g par litre de sang ou 0,10 mg par litre d'air expiré pour un conducteur novice. Il est conseillé de bon, vérifier la, la pression des pneumatiques tous les mois lorsqu'ils sont à température ambiante c'est-à-dire lorsqu'ils ont roulé moins de 3 km. Des témoins d'usure situés au milieu de la bande de roulement d'une hauteur de 1 ,6 mm 6 vous permettent de vérifier l'état d'usure de vos pneumatiques. La profondeur ne doit pas être inférieure à 1 ,6 mm 6. Il est vivement recommandé de ne pas attendre la limite pour changer vos pneumatiques, car sur route mouillée, des sculptures trop usées ne permettent pas d'évacuer l'eau qui s'accumule sous vos pneumatiques, provoquant une perte de contrôle de votre véhicule. Dans cette situation, vous devez être particulièrement attentif à la trajectoire du jeune cycliste, situé à droite de la zone 3. Les enfants peuvent avoir des réactions imprévisibles, car leur perception du risque reste encore faible et la priorité va souvent au jeu. Il peut à tout moment surgir sur votre voie. Je trouve ça littéralement illogique, genre lui à tout moment peut, se... peut venir sur la droite, ok euh, Lui, il est à genre 2 mètres et on va bientôt passer à côté de lui. Ça veut dire que vraiment, là, son guidon, il est même pas vers la droite. Genre, faudrait vraiment qu'il ait un coup de panique de fou. Genre, en mode l'enfant, il dit, Eh, hey, si j'allais me suicider Ce panneau met fin à toutes les interdictions préalablement imposées aux véhicules en circulation, à l'exception donc des prescriptions concernant l'arrêt et le stationnement. Tout sauf celle que j'ai mis a la suite d'un accident, les garanties de votre contrat d'assurance peuvent devenir nulles en cas de conduite en état d'ivresse, conduite pendant une période de suspension de permis, défaut de verre correcteur, non-paiement de la prime d'assurance et fausse déclaration par exemple. Réponse A et C. Okay, donc si tu es responsable du, de l'accident, tu n'as euh, pas d'exclusion de certaines garanties en fait, c'est pas en mode t'es. Tu sais, genre t'es es plus, plus assuré, mais je, du coup, vu que c'est de certaines garanties, je me suis dit que si c'est toi qui provoque l'accident, il peut y en avoir, genre qui euh, du coup saute, tu vois. Enfin, en vrai, l'intitulé, c'est un truc de chien, quoi. Les enquêtes ouais. réalisées sur les accidents de la route révèlent une mauvaise analyse de la situation dans 40% des cas. Ce bus est arrêté. Des piétons sont visibles en zone A quoi et des passagers peuvent descendre à l'avant du bus. Mais en zone B, des piétons cachés par le bus peuvent aussi traverser la chaussée. Dans cette situation, vous adoptez une allure très basse, vous laissez votre pied face à la pédale de frein et vous surveillez particulièrement les zones A et B. Vous arrivez à une intersection réglementée par des feux. Voilà. Le feu vert vous autorise à passer, mais vous devez ralentir. Afin de vous assurer que le véhicule gris ne s'engage pas dans l'intersection. Je trouve c'est vraiment un truc de chien. Parce que dans la logique, il est censé avoir un feu, sauf qu'on ne voit pas le feu, et il n'y a pas de céder le passage ou de, euh, de stop. Du coup, normalement, tu es censé prendre en compte la priorité à droite, non Le grand feu vert, oui, mais certes, il est vert. Mais en fait, y a des... vous n'avez jamais eu des routes où tu as un feu, mais que sur ta route, mais pas sur les côtés même avec une bonne connaissance de la route, le manque de visibilité dans le virage vous oblige à ralentir afin d'anticiper un éventuel danger. Étant bien placé sur la chaussée, il est inutile de faire un écart à gauche ou à droite car vous risqueriez de heurter soit un autre véhicule, soit la bordure. Réponse D. Mais. Mais, Madame vous avez pas écrit faire un écart à droite, vous avez écrit serrer à droite. Oui, mais en fait, c'est pas serrer plus. C'est pas genre faire un écart justement. C'est juste serrer. Donc c'est genre tu vas pas au milieu quoi. Parce que c'est une petite route, donc tu vas pas au milieu. Ok.